Et voisin, tu es triplement béni. Est-ce que quelqu'un peut apprécier Dieu? Dis à ton voisin, cette année, tu vas y arriver. Dis voisin, cette année, tu vas y arriver. Dis voisin, cette année, tu vas y arriver. Alléluia. Ton amen est un peu un amen de 2023. Alléluia. Amen. Ton amen est un peu un amen de 2022. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen maintenant qui est l'amen de 2024. Alléluia. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Frères et sœurs, j'ai eu une vision. Et dans la vision que j'ai reçue, j'étais en train de passer ma nuit personnelle. Et Dieu m'a montré des cités. Et Dieu m'a montré une assemblée. Nous étions à Genèse, mais nous n'étions pas ici. Amen. Et Dieu a montré dans la vision des personnes qui l'adoraient, mais il y avait des groupuscules comme ça, et presque chaque groupe avait un drapeau. Amen. C'est comme si des gens étaient venus de l'étranger express pour venir à Abidjan pour adorer Dieu. Amen. J'ai vu ces choses-là clairement dans mon esprit. Celui qui veut qu'il croit. Mais celui qui veut qu'il ne croit pas. Mais je suis prophète et ce que j'annonce, tu vas voir. Amen. Et 2024 est une année stratégique. Amen. Dans le plan de Dieu, 2024 est une année stratégique. Amen. Je veux t'inviter à ouvrir la Bible dans le livre de Job. Job, en son chapitre 22, nous lisons le verset 28. Job, chapitre 22, verset 28. Oui. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. À tes résolutions... À tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Sur tes sentiers. Sur tes sentiers. Brillera la lumière. Brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Mm-hmm. Qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Donne-moi le meilleur amen de cette soirée. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen.
Nous sommes aujourd'hui au terme de nos 21 jours. Amen. Répondra le succès. Amen. Dis avec moi, le succès est une réponse. Le succès est une réponse. Je suis venu te parler aujourd'hui de la force de ta décision. Dis avec moi, la force de ma décision. La force de ma décision. La Bible dit, selon Éphésiens chapitre 3, le verset 20, que dit la Bible? Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Je lis la parole. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que, infiniment et au-delà de tout ce que, nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Amen. Dis avec moi, par la puissance qui agit en moi. Par la puissance qui agit en nous. C'est ce qu'on appelle dunamis. Dis avec moi, dunamis. Dunamis. Maintenant, la puissance qui agit en toi, elle agit en toi sous forme de la force de ta volonté aussi. Amen. La force de ta volonté et l'ampleur de tes décisions constituent une puissance sur laquelle Dieu va s'appuyer pour accomplir de grandes choses. Amen. Vous savez, il dit ici, à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Le succès. C'est quoi une résolution? C'est une ferme décision. Donc une résolution, c'est une décision. Une résolution, j'ai envie de dire, c'est même un choix, c'est ça? Amen. Donc c'est un arrêté, c'est quelque chose que je décide. Alléluia. Amen. C'est une chose que je résous. Ça y est, j'ai résolu de faire une chose, et quand ça devient une ferme décision, ça devient une résolution. Dis avec moi, une résolution. Une résolution. Vous voyez que la Bible est en train de vous dire ici que le succès ne vient pas seulement du plan de Dieu. Amen. Au fait, c'est ce que la Bible est en train de te dire. Le succès ne vient pas seulement du plan de Dieu. Le succès peut venir aussi de la résilience de l'homme. Yes. Qui comprend ce que c'est que la résilience? Amen. C'est quoi la résilience? C'est quoi la résilience? La capacité à ne pas abandonner. La capacité à ne pas lâcher prise. La capacité à ne pas laisser tomber. Alléluia. Et il dit, quand tu vas décider une chose, cette chose-là va être accompagnée par le succès. Mais il dit à tes résolutions. Résolution veut dire décision, c'est ça? Amen. Mais je veux qu'on puisse afficher maintenant à l'écran l'étymologie de résolution. Qu'est-ce que ça dit? Résolution vient d'un hébreu qui parle de Gaza. Dis avec moi Gaza. Gaza. Dis avec moi Gaza. Gaza. Dis avec moi Gaza. Gaza. Et quand on parle de résolution, on parle numéro un de couper. Avance. 2024, il y a un succès qui ne rentrera pas dans ta vie si tu ne coupes pas. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des personnes qui étaient connectées à toi. Il faut te déconnecter. Écoute-moi, couper fait mal. La Bible dit, si ta main pour toi, c'est ça? Une occasion de chute, il faut la couper. Mais dis-moi, la main là, qui l'a fabriquée? Qui l'a créée? Qui l'a mise sur toi? Maintenant, qui demande de la couper? Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu va mettre dans ton système, mais qui sont utiles dans ton système tant que ces personnes correspondent à ta vision. La main vient de Dieu, mais il dit le jour où cette main-là n'accomplit plus lui sa volonté, que ça devient quelque chose qui travaille contre toi, contre ta vision, coupe.
Ça veut dire qu'il y a des amitiés qu'il te faut couper. Ça va faire mal. Mais il faut couper. Pour avoir le succès ne vient que par des sacrifices. Nos résolutions ici, ce n'est pas seulement décision. Résolution aussi, c'est sacrifier. C'est mettre fin à quelque chose qui n'était pas fini, juste parce que je veux réussir. Et beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas prêts à couper. Vous trouvez le moyen de prendre des choses qui ne vous arrangent pas pour marcher avec. Il faut couper. Nous sommes le 24 janvier. Amen. C'est une date particulière pour moi. Et quand je prêche comme ça, faut comprendre que dis avec moi, faut comprendre que il a déjà attrapé le ciseau. Il y a des choses qu'il faut couper. Le seul qui est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Mais il faut marcher avec les hommes par rapport à la vision que tu as. Si une personne ne rentre pas en amitié, en collaboration, en partenariat, même en relation, ne correspond pas à la vision que tu as, il faut couper. En tout cas, moi, pour ma réussite, je ne me contente pas. Un enfant de Dieu ne se contente pas. Un enfant de Dieu a un chemin. Et il suit son chemin. Et il est prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour atteindre l'objectif de Dieu. Le problème, c'est que vous êtes trop émotif. Résolution parle de Gaza. Ce qui veut dire numéro un. Numéro un. Numéro un. Numéro 2, exclu. C'est quoi exclu? Quand il dit il a été exclu, c'est que j'étais dans le programme, ils m'ont enlevé dedans. C'est il y a des gens qui tu avais prévu partir, il faut les enlever dedans. Pour avoir le succès, des fois vous êtes un groupe de trois, mais le troisième là est un canard boiteux, il nous empêche d'avancer. On dit exclu. C'est-à-dire que la personne était dans le programme. Et à cause du succès qu'on veut avoir, on l'enlève du programme. Le problème, c'est que vous ne savez pas retirer. Vous êtes là, non, on a grandi ensemble. Non, on a traversé trop de choses ensemble. Oui. On a traversé jusqu'ici, mais on ne doit pas traverser jusque là-bas. Tout le monde monte dans le bus, mais tout le monde ne descend pas au même arrêt. Il y a des gens qui doivent s'arrêter maintenant dans ta course. Par exemple, tu marches avec un homme qui n'est pas prêt à se marier. Toi, ta vision, c'est de te marier. Il était dans ton programme, mais comme son programme ne fonctionne pas avec ton programme, il faut l'exclure. Parce que toi, tu es prête. Lui, il n'est pas prêt. Il veut s'apprêter. Oh, toi, tu es déjà prête. On fait comment? Il faut exclure. Il y a des gens qui marchent avec toi, même en amitié ou en partenariat, mais qui sont très hésitants. Et tu te dis, il faut forcément qu'on fasse ensemble. Écoute-moi bien. La réussite n'est pas le résultat d'un convoi. Tout le monde sort de l'Égypte, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre à Canaan. La réussite, il y a des gens que tu dois laisser dans le désert. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des personnes que tu dois laisser dans le désert. Tout le monde, ma question. La Bible dit de tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui partaient vers Canaan, seuls Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Ma question, où étaient les frères de Josué et Caleb? Question. Dis avec moi, ils sont restés dans le désert. Où étaient les amis de Josué et Caleb?
plus grave. Où était la femme de Josué et la femme de Caleb? Que j'avais des choses de Dieu. Votre problème, c'est que vous êtes dans des groupuscules par émotion. Mais laissez-moi vous dire, si vous me suivez par sentiment, je l'aime trop, ne me suivez pas par sentiment, suivez-moi par conviction. Il faut que ce soit Dieu qui vous ait parlé, parce que si Dieu me parle, je vais vous chasser. Moi, je ne suis pas avec vous par conviction, je suis avec vous par inspiration et par révélation. Le jour où Dieu me parle contre vous, laissez-moi vous dire, le lundi matin, je me dis, hé, dehors. Ça veut dire, non, il est ingrat, il est mamie, il est loto, il est prophète. Le solide qui a des oreilles. J'ai dit que dans cette église, la personne n'est sûre de son poste. Le seul poste où la personne est sûre, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai commencé par faire? Ceux qui me connaissent savent que quand je commence à fonctionner comme ça, c'est que j'ai eu une vision. C'est que l'aigle a commencé à prendre son envol. Numéro 1, couper. Numéro 2, donc il y a des choses qu'il faut couper, il y a des gens qu'il faut exclure, et numéro 3, prendre. Ça veut dire pour le succès, il faut couper, il faut exclure, et il y en a d'autres, il faut prendre. Ce qui parle du recrutement. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, comme la Côte d'Ivoire. Il faut changer. Dès l'équipe là, il faut shooter l'entraîneur, il faut... C'est une équipe qui ne perd pas. Qu'on ne change pas. Mais une équipe qui perd. On jette même. Changer même, c'est un peu trop généreux. Il y a des joueurs même ivoiriens à qui on doit donner la retraite. C'est-à-dire qu'on doit les envoyer à la... Il y a un nom, je vous avais dit là. Il y a un nom, vous avez dit là. Donc, résolution ici, comme on dit toujours, à tes résolutions répondra le succès. Vous voyez que résolution est plus profond que ce que vous pensez. Vous pensez que c'est une simple décision. Non, c'est une décision qui te fait même couper avec quelqu'un que tu ne voulais pas couper. Ça te fait exclure quelqu'un que tu ne voulais pas exclure. Et ça te fait prendre quelqu'un que des fois tu n'avais pas pensé prendre. Pourquoi? Parce que tu veux le succès. Ça veut dire que le succès est un ensemble de combinaisons. Je mets ici, quand ça ne va pas, je change, je mets ici. En réalité, dans le succès, il n'y a pas d'assurance. Il faut, c'est un remaniement. Je mets, ça ne marche pas, je coupe, je prends, je remets, que je prends une autre chose, je prends, ça ne va pas, j'exclus, etc. Jusqu'à atteindre la combinaison. Allons-y. Séparer. Là, c'est différent de couper. Et puis après, séparer. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Quoi? Yeah. Non. Après prendre là. Et puis après séparer.
Ça là, je ne comprends pas. Je pense que vous êtes allé plus loin à l'école que moi. À ce niveau de la compétition, c'est mieux que ce soit vous qui parlez. Piller, ça veut dire quoi? Ça veut dire arracher. Ça veut dire déposséder. Maintenant, ma question, allons-y, très simple. Toi qui es là, tu dis fond, pied, c'est quoi ça? Dieu même dit tu ne voleras pas. Bon, ma question. Qui a promis Canaan à Israël? Dieu. Qui les a fait sortir d'Égypte? Qui a fendu la mer? Qui a ouvert le Jourdain? Qui a fait pleuvoir la manne et la caille? Maintenant, ma question. Quand ils sont arrivés à Canaan, est-ce que Canaan était désert? Il dit, je vous donnerai le pays qu'habitent les Cananéens. C'est-à-dire qu'ils sont tellement propriétaires de la zone même qu'on les appelle Cananéens, habitants de Canaan. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses de valeur que Dieu vous promet, mais qui ont toujours un propriétaire? Le problème, c'est que vous dites, ça ne vaut pas la peine de combattre quelqu'un, chacun a sa place. Écoute-moi bien, chacun n'a pas sa place, il y a souvent quelqu'un qui est à ta place. Ce n'est pas seulement une affaire de chacun à sa place, souvent il y a quelqu'un qui est à ta place. Canaan était la promesse que Dieu avait faite à Israël. Mais Canaan, il y avait des gens qui étaient là. Et Dieu dit, ce territoire, je vous le donne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les habitants qui sont là, ils sont à votre place. Maintenant, comment faire pour les enlever à notre place et puis redevenir propriétaire de ce qui nous revient? Voilà ce qui était le dilemme. C'est pourquoi lisez très bien. Quand Josué prend le relais qui rentre à Canaan, dans des autres bibles ou en titre, ils ont mis conquête de Canaan. Qui a lu ça? Ils ont dit quoi? Conquête de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan n'est pas un acquis. Arrêtez de penser que... Vous voyez rien? Arrêtez de penser que Canaan est une omelette que Dieu a déjà mis au feu, et puis le boulanger en train de cuire le pain, et puis on va te donner tout, on met beurre même dedans pour te servir. Mon ami, tu rêves en couleur. La chose que Dieu te promet a déjà deux fois un propriétaire. Et le chrétien, souvent, là, je ne sais pas pourquoi on me combat. Mais on te combat parce que quand la personne te regarde là, elle sent que c'est sa place qui est ta place. Je ne sais pas pourquoi ma patronne là, elle est beaucoup sur moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais qu'elle te regarde là, tu n'es pas encore patronne, mais qu'elle te regarde, il y a quelque chose qui lui fait ressentir que le petit là, il est ici pour me remplacer. Au fait, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu regardes seulement la position que tu occupes. Tu ne peux pas comprendre. Oh, il y a tout un environnement spirituel autour de toi qui fait que celui qui est grand te voit comme un danger. Hérode était déjà sur un trône. Mais quand il a appris que Jésus est né, il y avait tout un mouvement autour de la naissance de Jésus. Il a vu des homologues rois venir autour de l'enfant. Hérode regarde jusqu'à but de cas qu'il a tremblé et tout Jérusalem avec lui. Mais Jésus avait quel âge? Il n'était qu'un bébé. Mais quand Hérode le regarde, quand il regarde tout ce qui se passe, il ressent que l'enfant là, même si pour le moment il est inoffensif, hein, mais moi je dois passer à l'offensif. Moi je dois attaquer d'abord. Je ne dois pas attendre qu'il grandisse, que Dieu te bénisse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et Hérode n'a pas attendu. Le problème c'est que vous pensez que personne ne vous voit. Il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Parce que quand ils te regardent, il y a quelque chose qui leur dit que tu n'as pas fait attention, la femme là-bas te remplacer au travail ici.
tu remarques qu'il y a comme une rivalité qui s'installe automatiquement entre vous. Tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi cette rivalité, pourquoi cette tension. Pourquoi la personne est aux aguets. Au fait, tu as toussé, on dit tu as vomi. Même quand tu marches dans l'eau, on dit tu soulèves la poussière. Tu ne comprends pas pourquoi il y a cet acharnement autour de ta personne. Écoute, il y a des moments où la personne ne sait pas expliquer, mais elle ressent que sa place est ta place. Et la personne ressent que tu es là pour occuper sa place. Tu penses que quelqu'un comme ça peut t'aimer? Vous rêvez en couleur. Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle de quelqu'un? Dis avec ma résolution. Donc il y a un niveau de ton succès que tu dois arracher parce que ça appartient déjà à quelqu'un. Alors la Bible dit à tes résolutions Gaza répondra le succès. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de ton succès que tu vas devoir arracher à quelqu'un, piller. Ils sont sortis d'Égypte. Mais la Bible déclare qu'en sortant d'Égypte, Israël a pillé les Égyptiens. C'est le verbe qu'ils ont utilisé. Ils ont pris des vases d'or, des vases d'argent. Ils ont pris toutes sortes de richesses. Chacun a pris ce qui était chez son voisin. Sinon, ma question, comment des esclaves ont fait pour avoir assez d'or jusqu'à pouvoir faire un veau d'or? Donc, résolution, ce n'est pas seulement une décision. Résolution, ici, c'est deux fois un ensemble d'actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, la partie qui me plaît, c'est disparaître. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Donc, à tes résolutions, ça veut dire, Gaza veut dire aussi disparaître. Là, ce n'est plus toi qui retranche. Ce n'est plus toi qui coupes. C'est toi-même qui t'en vas. Il y a des dimensions, tu ne peux pas avoir le succès si tu ne disparais pas de cette entreprise-là. Tu n'es pas à ta place. Il n'y a rien à couper. C'est toi-même qui faut sortir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est qu'on a besoin souvent de faire le combat spirituel pour ceux qui n'ont pas besoin de combat. Il y a des niveaux où il faut juste comprendre que tu es Abraham. Dieu te dit, lève-toi et sors. Va dans le pays que je te montrerai. Tu dois disparaître d'un territoire pour avoir deux fois le succès. Amen. Deux fois pour avoir le succès, tu dois quitter la maison familiale. Deux fois pour avoir le succès, tu dois te marier. Quelqu'un dit voilà, parce que c'est vrai. Écoutez-moi bien. Il y a des dimensions de prospérité qu'on n'acquiert pas dans le célibat. Il y a des dimensions d'élévation qu'on ne touche pas dans le célibat. Donc un homme spirituel va aspirer à se marier, une femme spirituelle va aspirer à se marier, mais quelqu'un qui est charnel ne va pas comprendre pourquoi elle est pressée, pourquoi il est pressé, parce que lui sent. Regarde, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras le père d'une nation, etc. Est-ce que Dieu a parlé à Sarah? Et Abraham s'en va jusqu'à il arrive au niveau des chaînes de Mamré. Est-ce que quand il était sur la montagne partout, est-ce que Dieu a dit non, Sarah, etc. Mais ma question, au moment d'accomplir la promesse de Dieu, quand Dieu arrive chez Abraham, quelle est la question que Dieu pose à Abraham? C'est quoi la question? Où est Sarah? Il dit, où est Sarah, ta femme? Abraham dit, mais elle est dans la chambre. Est-ce que tu sais pourquoi elle est dans la chambre? Parce que ce qui se dit là, ça ne la concerne pas. Parce qu'il y a longtemps que lui et Dieu causent. Ça fait plus de 24 ans. Sarah, quoi avoir ici? Oh, ce qu'il ne sait pas, c'est à lui que Dieu parlait, mais Dieu ne parlait pas de lui.
Dieu parlait à Abraham, mais Dieu ne parlait pas d'Abraham. Parce que quand Dieu disait à Abraham, ton enfant sera l'enfant de la promesse, il ne parlait pas de l'enfant d'Abraham, il parlait de l'enfant de Sarah. C'est pourquoi Abraham pouvait faire un enfant avec Agar, mais ce n'est pas ça. Il peut faire enfant avec Ketura, mais ce n'est pas ça. C'est le ventre de Sarah. Donc Dieu ne lui parle pas de Sarah, mais c'est à Abraham de savoir que cette bénédiction est liée à son mariage. Donc la bénédiction d'Isaac était une bénédiction de mariage. Ce n'était pas une bénédiction de spermatozoïde. Ce n'était pas une bénédiction spermatozoïdale. Mais c'était une de... Aïe, 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 aïe. C'est... Donc, s'il veut qu'il prenne sa semence pour aller déposer chez une femme chauve, dis avec moi zéro. Il veut qu'il prenne sa semence pour aller déposer chez Aputu. Skinny. Métiche. Albinos. Il a dit riche. Pauvre. Qui travaille. Au chômage. D'en tirer, va où? Il a dit, peu importe où il va mettre sa semence, dis avec moi, c'est zéro. Mais au moment d'accomplir la promesse, Dieu lui demande, où est Sarah? Il y a des bénédictions qui ne vont pas avec ton célibat. Dieu te parle à toi, mais ça se réalisera avec ton mari. Ça veut dire que sur son chemin, si Abraham avait laissé Sarah quelque part, j'ai dit, il les laisse arrêter comme ça. Où est Sarah, comment? Elle dit, mais Sarah, c'est mon ex. Comment c'est ton ex? Il dit, mais tu ne m'as pas dit que c'était Sarah. Tu m'as pas dit, tu as dit mon enfant. Elle dit, mais je ne t'ai pas dit là. Est-ce que j'ai bien de t'expliquer? Abraham, si c'est tout, on doit te dire. Il dit, mais fais comment? Il dit, va la chercher. Il dit, mais elle était vers où? Mais Sarah, sou. Chachouchou. Tu es où? J'ai dit, il y a des gens qui vont revenir te chercher parce que la promesse de ta destinée ne s'accomplit. Aïe, 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 aïe. La promesse de leur destin ne se réalise pas sans toi. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il faut faire attention. Il y a des choses qu'il te dit, mais dont le fond, dont le fondement d'existence de ces choses est dans la vie de ton mari. Donc c'est toi plus ton mari qui provoquait le miracle. C'est pourquoi je vous dis, il y a un niveau d'élévation qu'on n'acquiert pas. Maintenant, ma question, est-ce que vous pensez que Marie aurait été choisie si elle n'était pas fiancée à Joseph? Parce que regarde, on dit l'ange est arrivé à Nazareth dans une ville de Galilée auprès d'une jeune fille vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Comment c'est elle à qui on sait? C'est elle qu'on salue, mais on présente la famille de son mari. Ça veut dire qu'on la salue, ce n'est pas à cause de son village. Ce n'est pas à cause de ses narines. C'est d'abord à cause de Joseph. Pourquoi? Parce que l'enfant qui doit venir là, on dit qu'il doit être le descendant de David. Donc il y a des promesses que Dieu te dit à toi. Ça ne te concerne pas, ça concerne la personne que tu vas marier. Sans la personne là dans ta vie, la promesse n'est caduque. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Ah bon, d'accord. Non, il y a des hommes spirituels qui peuvent comprendre. Aussi longtemps qu'il ne se marie pas, il sait qu'il est en train de perdre des grâces. Parce qu'il y a des grâces qui s'exécutent que dans le mariage. Donc toi qui es dans FC Petit Gars, sois salué. Tu n'as rien compris dans le monde mystique. Le mariage est la première église que Dieu a instaurée. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, qu'il a fait les animaux, la première institution humaine qu'il a créée s'appelle mariage. C'est la première législation. Le mariage a été le premier poste qui a été créé officiellement par Dieu. Avant que les hommes n'envoient maire, député, roi, etc. Le premier grade que l'homme a eu, c'était mari. Le premier grade que la femme a eu, c'était femme. C'était époux et épouse. Il y a des choses que Dieu ne fait pas sans l'époux et sans l'épouse. La preuve, même nous, pour nous bénir, j'enseignais à la veillée, il a fallu que nous montions dans la dimension de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions, même dans le Seigneur, on n'acquiert pas tant qu'on n'est pas marié au Seigneur. Le mariage est... Je parle? Ah, est-ce que quelqu'un t'a réfléchi à quelque chose? Oui, quelqu'un t'a réfléchi à quelque chose. Quelqu'un t'a dit... Je rentre. Et quand je quitte, je rentre dans ce foyer, je rentre. Ah ma chérie, il faut rentrer.
Dis avec moi rendez-vous au sommet. Dis avec moi rendez-vous au sommet. C'est pourquoi la Bible dit à tes résolutions. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas. Il faut les exclure. Il y a des personnes qui ne correspondront pas. Il faut les retrancher. C'est qu'on n'a pas le succès par hasard. Le succès ne vient pas seulement de la décision qui dit « Je vais réussir ». C'est trop facile. Sinon, tout le monde a réussi. Non, si la résolution, c'est que dit « Je vais réussir ». Moi, la montre, en disant « Je vais réussir ». Même le mendiant qui est au carrefour aussi allait réussir. Parce que lui aussi, si tu lui poses la question, il va dire « Moi, un jour, pour moi, on va sortir ». Tout le monde a ça dans son cœur. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et eux? C'est qu'il y a des décisions, il y a des étapes à franchir pour avoir le succès. Et à des moments donné, vous prenez de mauvaises décisions et ces décisions peuvent venir polluer le succès que vous avez. Et vous allez quitter là-haut et vous allez tomber comme des éclairs. Le plus dur n'est pas seulement de monter, le plus dur c'est de rester en haut. Pour te maintenir, il y a des moments où il faut couper. Il faut exclure, il faut retrancher. Il faut sortir. Et il dit, il faut disparaître. Toi-même, il faut t'effacer. C'est-à-dire que la personne réfléchit, mais ça, mais il y a longtemps, elle m'a appelé. Hein. C'est-à-dire que tu n'es... Ça, là, c'est-à-dire que c'est une dimension où tu n'es pas dans une affaire de dire, je ne t'appelle plus, mais j'étais bloqué. Un matin comme ça, la personne remarque que il y a longtemps. Dis avec moi, j'ai disparu. Qui comprend qu'il doit disparaître? Il y a des choses qui ne se réalisent pas tant que tu n'as pas la puissance de la résolution. Parce que beaucoup parmi vous, des fois vous voulez disparaître, mais tellement vous manquez de puissance, tu disparais, toi-même tu réapparais. Et puis tu dis comme ça. Il y a quoi? Il n'avait pas vu qu'il avait disparu deux jours là. C'était pour te montrer que vraiment, tu me maltraites trop. Il dit, mais qu'est-ce que tu as pris? Non, je suis revenu. Parce qu'il te manque la puissance. Oh oui. Tu as la volonté, mais tu n'en as pas le pouvoir. Il y a des gens qui tu dis, à partir d'aujourd'hui, celle-là et moi, c'est fini, je coupe. Ne sois coupé quand le goût met. Et on ça. Elle dit, pourquoi tu vis? Il dit, il est coupé. Ah, il dit, quand tu as coupé là, c'est vibré que tu as activé. Il dit, oui, oui, il a coupé. Elle dit, mais tu coupes, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, mais c'est toi qui t'en vas, pourquoi tu pleures? Parce que tu sais en réalité que tu vois que résolution fait mal. Résolution, c'est pas quelque chose qui est aisé. Donc le succès vient toujours d'un sacrifice. Ne pensez pas que ce que je vous dis là est facile. Il y a des amitiés. Pour couper là, c'est pas évident parce que vous appelez tous les jours. Mais comment tu fais pour couper? Si vraiment la réussite n'est pas plus importante que l'amitié. Parce qu'il y a des amitiés, c'est bien, c'est une belle amitié, mais en réalité, quand tu es avec lui, tu n'es pas concentré. C'est ton élément. Vous causez, vous faites tout, mais quand tu es avec elle, tu ne peux pas te sanctifier, tu sais. C'est elle qui est ta couverture pour avoir trois gars. Tu connais gamme de ta camarade. Vous connaissez. La femme de valeur que tu veux devenir ne peut pas exister tant que tu es cette camarade-là. Tu sais. Même le jour où tu dis que tu as cassé tous les gars qui te restent, ils se moquent de toi. Dans ta télé, tu as arrêté d'avoir trois gars. Hé, ma copine est devenue sérieuse. Et puis elle m'appelle après. Ma camarade dit là, il y a un gars, il est frère. Et non, il n'est plus là. Ok. Il est joli, hein? Faut réfléchir. Je te vois sa photo. Je l'ai déjà donné ton numéro. Aïe! Il y a des gens ici, là. Deux fois, garçon t'appelle. Tu sais même pas, c'est ta camarade qui a donné ton numéro. Elle dit, appelle ma camarade, elle est jolie, d'elle. Elle est là, elle pense à comment elle va te brancher. Oh, hier, yeah, t'as branché. Non, la prise est occupée, hein? Et puis, elle envoie une nouvelle rallonge. On branche ça où? Donc du coup, tu as branché dans ton dos, dans ton nez, dans ton front. Tu es branché de partout. C'est un court-circuit qui a se passé dans ta vie. Il faut couper. Mais il y en a, tu coupes,
gagne. Il y en a qui disent, je ne suis plus à toi. Il dit, moi, je suis à toi. Il dit, mais je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Il dit, mais je vais t'aimer pour nous deux. Il y a des gens qui ont résolution, ce n'est pas amusement. Résolution. Donc, il y en a qui sont là, ah, mais résolution, répondant à mes succès. Tu connais résolution. Il y en a, tu lui dis, c'est bon, je me suis mis à quelqu'un, mais vous deux, mais je vous aime. Toi et puis lui, avec qui tu es là, vous deux, je vous aime. Ce cadeau de Saint-Valentin, il paye deux. Pour toi, il paye body, pour lui, il paye t-shirt. Il dit, ça, c'est pour ton gars, là, et puis ça, c'est pour toi. Aïe, là. Ouais, faut croire, hein. Ah, tu penses, il y a des gens. Tu ne veux pas t'amuser, hein. Devant, tu lui dis, je suis enceinte, il dit, je vais attendre. Et puis il paye l'air pour le bébé, il paye tout. Pourquoi? Parce que maman va accoucher, il va reprendre la relation. Tu plaisantes. Il y a des gars là, on doit les appeler persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, les femmes là savent de quoi je parle. Il y a des teigneux. Non, couper là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit le royaume est forcé, seuls les violents s'en emparent. À un moment donné, il te faut être sévère avec toi-même. Il te faut de la violence pour mettre fin à des choses. Sinon, tu auras la volonté, mais tu n'en auras pas la force. À un moment donné, tu auras pitié. Tu as dit, mais c'est vrai, mais dans le fond, là, il n'est pas méchant. Elle n'est pas méchante. Non, vraiment. C'est pourquoi on dit, on ne regarde pas dans les yeux du cabri pour l'égorger. Tu veux couper sa tête, ferme tes yeux. Fais comme ça. Ferme tes yeux. Fiu. Dis avec moi, fiu. Asala. Hein? Je parle à quelqu'un. Amen. Dès qu'on ne regarde pas dans les yeux du cabri pour l'égorger. Tu veux du succès? Sors des émotions. Sors des sentiments. J'ai pitié. La pitié n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est la compassion. La compassion, c'est la capacité à te mettre à la place de l'autre et de mettre l'autre à ta place. Et il y a des moments, par amour, il faut mettre fin à quelque chose qui ne peut pas te faire réussir. Parce que tu sais que je t'aime. Moi aussi, tu m'aimes. Mais notre amour-là ne peut pas nous envoyer où on veut partir. Je sais que mon amour est un blocage pour toi. Ton amour est un blocage pour moi. Par amour, il faut qu'on se sépare. Le problème, c'est que vous pensez que l'amour s'est conservé. L'amour, des fois, s'est laissé partir. Il y a des dimensions par amour, il faut laisser partir. Je me rappelle encore comme c'était hier, du gourmet historique que ma vie a subi. Et après ça, gourmet et moi, on a divorcé. Après ça, gourmet et moi, on a divorcé. Dis, expliquez, expliquez. Allez, vous me connaissez, moi je ne suis pas concentré. Dis, expliquez, expliquez. Il dit, ça va mieux. Bon, faut au fond d'abord. Vous savez pourquoi il dit ça? Faut au fond d'abord. Bon, c'est bon, le culte est fini, mais de toute manière. J'ai dit, je sais que tu veux écouter. Je sais que ça, c'est offrande d'affairage, ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est offrande de. Viens ici, on fait discours, hein. Debout, non. Voilà. Alléluia. Les nouveaux là, soyez fortifiés, c'est comme ça. Et vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez vous habituer. Il sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il dit ça. Dieu est nouveau, il sait pourquoi il dit ça. Tu vas t'habituer, tu vas t'habituer. J'étais dans une église. Nous étions en 2005-2006. Non, 2006-2007, après le bac. J'étais en première année, NTIC. Une jolie go, elle était dans l'église. Je suis fan de la sœur. La sœur est fan de moi. Mon fils avait fait pleurer. Je suis fan de la sœur. Répétez. Et nous sommes fans de nous. Et dans l'amour, on a commencé à vivre là.
Tous les jours, elle perd l'eau, je mange, je perds l'eau, elle mange. Tu vois les relations où je t'accompagne quand tu vas chez toi. Après, tu m'accompagnes quand tu vas chez moi. Après, hé, hey, France, c'est doux! Je sais par quoi vous vous êtes passé, je sais. Parce que moi aussi, j'y suis passé. Hein. Directement, l'amour s'est laissé. Et cette sœur-là, j'étais fan d'elle. Un matin comme ça, elle est assise à la maison et moi. Elle me dit, bébé, où? Il dit, oui. Il dit, il y a un gars là. C'est mon ami aussi. Tu sais, c'est une dimension d'amitié où même quand elle sort, quelqu'un prend son numéro, elle me dit. Qui a vécu ça? Elle me dit. Donc le gars, c'est un footballeur qui s'est débrouillé au quartier. Il a tapé poteau sur la gauche. Et il est parti en Europe. Et il a eu content là-bas. Puis il est revenu en rambard. Bon, avant, tu as compris. Hein? Je dois m'arrêter là ou bien je dois continuer. Il dit, ça me fait mal, hein? C'est une église où personne n'est concentré. Que Dieu nous vienne en aide. Les gars! Le gars dans lequel il est devenu footballeur professionnel, la seule personne à qui il a pensé, c'est la Gaule. Aïe! Champion, il était fait quoi? Il a dit, je suis à 100 fils à Numambo. Je suis coulé jusqu'à. Moi, je suis dans le puits. Coulé même à peur de moi. Je suis le coulé de coulé. Mais la petite ville est fan de moi. Moi aussi, je dis. Non, moi aussi, check. L'amour, c'est pour les grands. Et elle m'explique le truc. Elle m'a toujours expliqué tout ce qui prend ses numéros et tout. Elle m'explique le truc. Sur le champ de je ne lui dis rien. Elle rentre à la maison. Et je dors. Le lendemain, je me suis réveillé. Elle est venue, on a causé. J'ai encore passé une nuit. Et pour elle, elle m'a causé. Elle n'est pas d'accord. Puis deuxième nuit après, je me suis réveillé quand elle est venue. Elle dit Béo, elle dit oui. Elle dit Béo, elle dit oui. Tu m'as dit un truc avant-hier là. Le gars là, c'est comment? Elle dit, il est là, hein. Mais moi, ça ne me dit plus rien. Il dit, ça n'a qu'à te dire quelque chose. Elle dit, comment ça? Mais on est à l'aise ici, on est. Il dit, mais moi, je suis en première année. Tout mon avenir, comme on m'a dit là, c'est dans prophétie. Ça peut arriver. Ça peut ne pas arriver. Ton papa à la retraite. Ta maman est commerçante. Chez vous là-bas, là, il n'y a personne. Le monsieur là, il est footballeur international. Tu l'aimes un peu. Bon, il n'aime pas, mais il est à venir. Et il faut passer. Elle me regarde, ses larmes coulent. Tu es parti comment? Ou bien toi-même, tu voulais me laisser? Non, on peut rester ensemble. Mais... Et si dans 2 ans, ça ne va pas entre nous? J'ai gâté quelque chose. J'étais plus marié. On fait quoi? Moi, je suis couché dans la maison. C'est rien à la maison. Qui comprend ce que j'ai dit? Des fois, on est couché ici, là, comme ça, brûlé, sommier par terre. Faut comprendre de quoi je te parle. Non, non, on n'est plus coulé, là, on est effondré. Moi, il n'y a que des lions, hein. Ah, oh, je suis. Et la bénie vient. C'est pas possible. C'est les choses des grands, hein.
On discute, 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 discute. Il dit, mais si c'est ce que tu veux. Il dit, c'est ce que je veux. Et ça là au moins, tu pourras être à l'abri. Ta famille sera à l'abri. Et puis comme il t'aime, il pourra prendre soin de toi. Parce que, écoutez, Abel dit, Marie, aimez vos femmes. Non, si un homme te dit qu'il t'aime, il va prendre soin de toi. Et je l'ai aidé à faire ses papiers. Elle n'avait pas de passeport. Elle fait son passeport. Rassemble tous les documents jusqu'à l'accompagner à l'aéroport. Hé, hey, ici, garçon a longtemps. Hein. Mais là, elle va mourir. Hein. Tu sais, le côté où Goumet te donne, ok, derrière. Mais après, mais ça, c'est dit, Zahui. Tu n'as pas mourir, ça fait mal sur moi. Tu n'as pas mourir. Les gars, voilà comment la gueule montait d'avion et arrivait en Suisse. C'est bon sur elle là-bas jusqu'à. Elle a pris sa sœur, l'envoyée au Maroc, en Tunisie plutôt. À ce moment-là, il y a la BAD, l'envoie en Tunisie pour faire les études là-bas. Elle-même, elle est en Europe, ça va, elle est en deux avions. Elle a commencé à faire des choses pour sa mère, etc. C'était bien. Et je crois. Un an, deux ans après, Dieu m'ouvre une porte et j'ai des enfants spirituels à la BAD. Je vous ai déjà raconté le témoignage où je me lavais. Et puis il y a savon sur mon visage, et puis le téléphone sonne, puis il sort comme ça. Il voit le numéro là. Qui? Décoche. Allô, c'est madame. Toi, t'entends, maman, attends d'abord. Je me mets à rincer, j'y arrivais. Je me rince, je m'arrête devant votre téléphone. Et le téléphone ressort. Non, je suis madame tant de la BAD. J'ai entendu parler de vous. Ici, vraiment, on aime vraiment ce que vous faites. On veut que vous puissiez prier pour moi et tout. Et mais moi, ici, à Bidon, il prie comment? Elle dit, non, vous allez venir ici. Elle dit, mais quel est votre programme? Et c'est ça, mon programme. Aïe! Mais pourquoi tu fais ça, maintenant? Tanti, tu fais ça par rapport à quoi? Quel est mon programme? Comment? Si il y a un programme, est-ce que tu pouvais m'appeler? Si tu m'appelais, mon programme, mais c'est toi. Et je me suis livré. Je crois que j'avais 19 ans. Oui, c'est ça, j'avais 19 ans. Et j'ai dit à ma maman, vas-y, venez. Tu as 19 ans, tu as parti jusque dans un pays, là, on ne connaît pas. Maman, Dieu m'a appelé, Dieu va faire. Et je suis parti. Arrivé là-bas, je crois, qui je croise? Sa sœur. Je ne vais pas donner trop d'indices pour ne pas que vous sachiez de quoi on parle. Et je crois sa sœur. C'est une personnalité publique aujourd'hui. Hein. Et je crois sa sœur. Sa sœur m'explique comment c'est là-bas et tout, tout, tout. Ok, c'est bien. Et moi, je reviens à Abidjan. Et des temps après, Dieu commence à ouvrir les portes. Et je deviens qui je suis devenu. Écoutez-moi. L'amour, à un moment donné, c'est le sien. Il y a des gars qui ne vont rien faire, toi. Mais ils ne vont pas te libérer aussi pour que tu deviennes quelqu'un. Ils vont gâter tes opportunités. Et dans quelques mois, eux-mêmes vont te laisser aussi. Il y a des gars aussi qui sont dans ta vie. Hein. Elle n'a pas envie de te marier. Mais elle ne laisse pas aussi. Elle va gâter tout ce qui est mariage autour de toi. Et dans un an, elle te dit non, c'est-à-dire en réalité, au fait, nonobstant, aïe, nonobstant comment? C'est pas ce qu'on s'était dit. Et il y a beaucoup parmi vous qui ont eu mal comme ça. Mais quand tu remarques, et ce qui fait que des fois, les gens, quand la rupture arrive, tu es tué l'autre là-même. Puis tu te dis, tout ce que tu as gâté, là, c'est pour me laisser ici. Qui comprend ce que je dis? L'amour s'est laissé. Je vous dis, c'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui te dit, je t'aime, mais qui n'arrive pas à te valoriser, mais tu sens que la personne t'aime, il faut comprendre que cet amour-là a des réserves. Et tout amour qui a des réserves a des surprises. C'est comme ça, vous dormez souvent, puis on dit le monsieur, ben, il s'est marié à midi. Ça n'a jamais vu ça. Ou bien non, la femme, la fille, elle a sauté, elle est mariée. Elle est mariée comment? Tu la connais, mon ami? Mon ami, comment? Elle est mariée. Tout amour qui a des réserves a des surprises. Il faut écrire ça. Il y a des moments quand tu regardes que l'amour est un peu azazou, un peu matico. Il faut laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, cette jeune fille, j'ai laissé, elle est partie. Mais dites-moi, est-ce que ça chauffe?
Et si on est là, ça se peut, ça peut chauffer. Je dis, si tu sais chercher le bonheur des autres avant ton bonheur viendra. Mais je pourrais dire, quand je suis à toi, il est si bien, mangeons pain, sucré, œuf, là. Peut-être qu'on n'était plus ensemble, lui aussi il s'est marié, et qu'on n'est plus quelqu'un qui est quelqu'un, et puis elle est en train de souffrir avec un ex, quelqu'un, je ne sais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'amour, c'est laisser. À tes résolutions répondra le succès. Ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est fait pour toi. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Non, les résolutions desquelles on parle ici, c'est un ensemble de sacrifices. Ce n'est pas seulement je décide. Non, c'est des sacrifices qui envoient le succès. Et dans ces sacrifices, ne pense pas qu'à toi. Ne pense pas à ce que tu ressens seulement. Il faut penser aussi à l'avenir de l'autre. Et de fois, toi-même, il faut estimer que c'est le temps pour moi de disparaître. Parce que c'est nuisible. C'est le temps pour moi de disparaître. C'est le temps pour moi de me séparer. C'est le temps pour moi de couper. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Nous sommes qu'à l'entrée de Dunamis. Et je suis venu vous dire que 2024 est l'année des résolutions. Et si tu comprends le langage qui parle du royaume des cieux, forcé, seules les violences en emparent. On ne parle pas d'une violence en termes d'agressivité. On parle d'une violence en termes de force de décision. La capacité à dire une chose, même quand ça te fait mal, tu maintiens la chose. C'est une force de caractère que tous les hommes n'ont pas. Des fois, pour éviter de souffrir, on préfère rester dans quelque chose qui ne marchera pas. Parce qu'on a peur de cette souffrance qui arrive. N'aie pas peur. Ça fait mal, ça ne tue pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi, ça fait mal, mais ça ne tue pas. Des fois, tu es là dans une relation avec un homme ou avec une femme, tu sens que tu es juste un instrument de sexe. Mais tu n'as pas la force non plus de rompre. Et tu te dis quoi? Je l'aime. Mais tu sais que lui ne t'aime pas. Il te voit comme un objet. Et sorti de là aussi, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu dis, je l'aime trop. Laisse-moi te dire, sorti de là, ça va te faire mal. Mais ça ne va pas te tuer. Il te faut cette force de caractère. Pour un moment donné, dis, je me fais à ce qui ne m'arrange pas. Pour commencer ce qui m'arrange. Tout le monde n'a pas cette force. C'est ceux qui sont nés pour le succès qui ont cette force de caractère. Tout le monde n'a pas cette force. Seuls les lions et les lionnes peuvent réussir ce que je suis en train de dire. Et beaucoup parmi vous, le lion en vous sommeille. Donc tu dis une chose et puis tu vas manger le vomi. Pendant que tu as vomi, tu retournes manger ton vomi. Et des fois même tu as vomi devant tes camarades, mais tu t'en mets derrière la clôture. Pourquoi tes camarades vont savoir? Ben, il y a la honte dedans. Parce que tu sens que tu n'as pas la force d'assumer ce que tu as dit. Que Dieu te donne la force d'avoir des résolutions. Amen. Qui te donne la force d'avoir des résolutions? Amen. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Amen. Qui en train de réfléchir à quelque chose qui doit couper? Joe, il y a trop de choses qui doivent couper. Chez toi, mais il y a repousse tout ça. Il faut couper tout. Cheveux va pousser. Je parle à quelqu'un. Tiens-toi debout, on va prier. Dis avec moi, Seigneur. Donne-moi la force de Gaza. De prendre des résolutions. Pour le succès. Durant cette année. Et pour le reste de ma vie. Donne-moi la force de prendre les bonnes décisions. Donne-moi la force de disparaître là où je dois disparaître. Donne-moi la force de couper ce que je dois couper. On peut mettre la définition. Donne-moi la force d'arracher là où je dois arracher. Éternel, donne-moi la force d'exclure tout ce que je dois exclure. Donne-moi la force de prendre tout ce que je dois prendre pour réussir. Seigneur, donne-moi la force de prendre des décisions pour l'avènement de la gloire dans ma vie. Je suis fatigué des petites choses. Je veux vivre le miracle divin. Je veux vivre la gloire divine. La gloire dans ma vie sentimentale. Dans mon côté professionnel. Et dans tous les domaines et aspects de ma vie. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Mais pour nous à Genèse aujourd'hui, tu es le Dieu des résolutions. Abraham, pour réussir, devait décider de disparaître de son pays. Donne
âme a la force de disparaître. De certaines amitiés. De certaines relations. De certaines fréquentations. De certaines collaborations. Pour entrer dans la dimension de gloire que tu as réservée pour moi. À des moments, je décide. Mais je n'ai pas la force de terminer. Éternel, rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Parle avec conviction. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort. La parole déclare que tu ordonnes que je sois puissant. Donne-moi la puissance pour tenir dans mes résolutions. Donne-moi la puissance pour tenir dans mes décisions et pour devenir la personne que toi tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain soir. Bonne fin de jeûne à vous. Rendez-vous demain soir à partir de 19h. Et nous allons poursuivre l'enseignement. Amen. Voilà. Maintenant, mes enfants qui n'avaient pas de photos avec moi pour poster, venez faire des photos. Envoyez vos téléphones. Vous pouvez retirer le panier, s'il vous plaît.